Nous sommes de retour pour le décryptage sur SICA. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de cette émission, situation toujours tendue et impasse politique en Libye. Trois mois après son installation par la communauté internationale à Tripoli, le gouvernement d'Union nationale peine à sécuriser et à unifier le pays. On assiste tous les jours à des affrontements entre milices et armées opposées. La Libye est-elle condamnée à l'instabilité? Que faire pour ramener la paix dans ce pays? Nous ferons le débat autour de ce sujet dans un instant. Au Gabon, le président Ali Bongo Ondimba rend le silence et défend son bilan économique. Pendant ce temps, ses principaux opposants ont choisi la stratégie d'attaque contre sa candidature que nous réserve la période de pré-campagne électorale au Gabon où l'ambiance politique est déjà très tendue. Nous ferons le point avec nos invités dans un instant également. Et puis, la Centrafrique semble renouer enfin avec la violence de nouveau au lendemain du départ annoncé de la force militaire française Sangaris, enlèvement de policiers en plein Bangui, village attaqué en province, des rebelles qui ne désarment pas. C'est le triste tableau présenté par la Centrafrique après plusieurs mois d'accalmie. Doit-on craindre le retour des vieux démons dans ce pays où des milices sont toujours armées? Ce sera le troisième sujet à débattre dans cette émission dans un instant. Mais avant de lancer le débat, madame, monsieur, voici un point de l'actualité. C'est sur le continent africain, c'est à travers ce flash d'information. Au Bénin, la commission des réformes politiques et institutionnelles a remis son rapport au chef de l'État ce mardi. Les 35 personnalités issues des partis politiques ou de la société civile qui avaient pour mission de réfléchir sur les réformes à apporter aux institutions de la République n'ont pas pu s'entendre sur la question du nombre de mandats présidentiels. Un référendum en vue de l'adoption de ce rapport aura lieu avant la fin de l'année 2016. Au Gabon, le président Ali Bongo Ondimba, candidat à un second mandat à l'élection présidentielle du 27 août, s'est félicité ce mardi d'avoir sorti son pays d'une économie de rente. Le chef de l'État a évoqué un effort d'investissement sans précédent pour doper la croissance à hauteur de plus de 4 500 milliards de francs CFA entre 2010 et 2015. Pour la première fois, Ali Bongo a déclaré qu'il est ouvert aux réformes politiques. En Afrique du Sud, le Trésor a recommandé que le président Jacob Zuma ne rembourse que 3% des 250 millions de randes dans le scandale de sa résidence privée, notamment pour la construction d'un poulailler et d'une piscine, une somme que l'opposition et les experts jugent minime et qualifient de compromis. Il revient désormais à la Cour constitutionnelle d'approuver ou non le montant recommandé par le ministère des Finances. Le président Zuma aura 45 jours pour rembourser la somme déterminée. Votre émission Angle de vue de ce jour reçoit pour vous le journaliste donc Lama Balo. Il est le directeur de la Radio Soleil FM qui émet depuis Cotonou au Bénin. Donc Lama Balo, bonjour et bienvenue sur le plateau de SICA. Bonjour Joël, bonjour à tous les téléspectateurs. J'ai également sur ce plateau Juste Kodjo, il est politologue et spécialiste des questions et relations internationales. Juste Kodjo, bonjour, bienvenue également sur le plateau de SICA. Bonjour Joël, bonjour donc Lama. Bonjour Juste. Ainsi se présente donc le décor pour cette émission. Madame, monsieur, le débat, c'est juste après cette virgule. Situation toujours tendue et impasse politique en Libye. Trois mois après son installation par la communauté internationale, le gouvernement d'Union nationale peine à sécuriser et à unifier le pays, la Libye, de l'ancien président Kadhafi, Juste Kodjo, malgré l'accord donc signé il y a de cela trois mois entre les politiques. Le pays semble s'enfoncer de jour à jour. Est-ce qu'on peut oser dire aujourd'hui que la Libye est condamnée à vivre dans l'instabilité? Joël, je ne sais pas si on pourrait dire condamné à vivre dans l'instabilité, mais c'est parti pour une longue période d'instabilité. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire à cette étape-ci, parce que quand vous observez un peu ce qui s'est passé jusqu'ici, quand vous observez un peu les différents acteurs sur le terrain, les différents intérêts qui sont présents, alors vous vous demandez quand est-ce qu'ils vont pouvoir réconcilier leurs différents intérêts pour arriver à trouver une solution durable. Je présume que ça va encore durer très longtemps parce qu'il y a des difficultés tant au niveau politique, mais aussi au niveau, ce que je dirais, opérationnel, notamment par rapport à la maîtrise de la violence du côté de l'État islamique. Et donc tout cela ne facilite pas justement la résolution de la crise libyenne. Donc ça va encore durer. Oui, mais est-ce que ce n'est pas pour régler justement ce problème que la communauté internationale a pensé à ce gouvernement d'Union nationale? Ça fait trois mois quand même que ce gouvernement a été installé à Tripoli. Mais on ne voit rien à l'horizon. Alors quand tout semble flou aujourd'hui.
quand vous avez un gouvernement dit d'union nationale qui est contesté, je dis contesté, par un camp, hein, des camps qui étaient quand même soutenus jusqu'à pendant longtemps soutenus par la communauté internationale, je pense notamment au cas du général Khalifa Haftar. Qui contrôle la région la plus peuplée de la Libye. L'est du pays. L'est du pays. Mmh. Et qui conteste le gouvernement d'union nationale. Alors quand vous avez une situation de ce genre-là, je doute fort que le gouvernement d'union nationale puisse avoir les coudées franches pour mener les actions qui peuvent à terme stabiliser le pays. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas associé? Est-ce à dire que la communauté internationale est passée à côté de la solution libyenne? Cela révèle un peu la difficulté qu'il y a sur le terrain, parce que qu'on le veuille ou non, le général Haftar aussi, ses supporters. Mmh. Vous savez, il a le soutien notamment de certains pays, l'Égypte. Notamment la Russie. Il s'est envolé même tout récemment pour la Russie, avoir le soutien de la Russie. Mmh. Et quand vous avez une situation du genre, et qu'il est convaincu que c'est lui l'homme de la situation, que c'est lui seul qui peut stabiliser la Libye, et que vous faites sans lui, peut-être qu'il a été trop exigeant, je ne sais pas trop ce que les négociations ont montré, mais dans tous les cas, le constat est là, l'observation est là, qu'on n'a pas inclus et dans la formation de ce gouvernement, ou qu'il ne s'est pas laissé inclure, mais dans tous les cas, ce simple fait-là démontre ou nous montre que ça va être vraiment difficile. On n'est pas encore proche de la paix en Libye. Donc là, Mabalo, le gouvernement donc n'est toujours pas reconnu sur le terrain, notamment par le Parlement de Tobrouk. Malgré son appel à l'unité de l'armée, le Premier ministre n'est pas suivi. Et aujourd'hui, tout s'enfonce de jour en jour. Est-ce qu'on peut oser dire que la Libye est condamnée à vivre l'instabilité? Je ne vais pas avoir la langue de bois. Mmh. Vous avez parlé de oser dire. Je vois que juste a mis des gants. Mais moi, j'ose. Vous voulez être direct, réaliste. Oui, je crains que la Libye ne soit vraiment condamnée à vivre l'instabilité. Vous savez très bien que c'est la commémoration du 5e anniversaire de la révolution libyenne. Vous savez très bien que quelqu'un a amené la Libye dans cette situation et cette personne est tranquille quelque part en France. Cette personne devrait répondre de certains actes. C'est important. Parce que lorsqu'on voit... Ça servira à quoi? Même si on poursuivait Sarkozy. Non, vous voulez parler de Sarkozy. Tout le monde sait que Nicolas Sarkozy a mené la guerre mais contre Kadhafi. Mais je dis que quelqu'un se trouve en France et qui est responsable de cette situation et qui peut-être a des ambitions encore au niveau de la France. On peut déjà condamner, on peut déjà commencer par le sanctionner dans son pays. Ce qui se passe en Libye est un drame, de mon point de vue. Et je trouve que ça va être très compliqué de régler ce problème parce qu'il s'agit aussi de l'intégrité du territoire libyen. Vous savez très bien que l'État islamique avait profité de la situation délétère qu'il y avait en Libye pour étendre ses bases. Aujourd'hui, il est très difficile de reprendre le contrôle de certaines régions, surtout que les armes circulent très facilement dans ces régions-là. Alors je ne vois pas comment la Libye peut sortir de cette situation avant beaucoup d'années. Avant beaucoup d'années, le pétrole également qui constitue un intérêt très grand au niveau de la Libye et surtout par rapport aux pays occidentaux et tout le reste, on a tout fait pour que la Libye soit dans cette situation. Je ne sais pas si Kadhafi était vraiment le mal de la Libye, je ne sais pas, parce que à l'époque de Kadhafi, il y a quand même une situation tout au moins stable dans cette région. Il y avait une maîtrise de la zone. Kadhafi arrivait quand même à lutter contre le terrorisme. Je crois que si Kadhafi a été encore en vie, on aurait réglé un temps soit peu le problème du terrorisme. Mais aujourd'hui, on en est là à le regretter. Enfin, une partie de la Libye, je ne dirais pas tous les Libyens, parce que les Libyens également ont participé au départ ou à l'assassinat de Kadhafi. Aujourd'hui, la situation qui prévaut en Libye, pour moi, est une situation sérieusement inquiétante, pour ne pas envisager vraiment la fin pour de ces. Je m'en vais vous demander, donc, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, s'il y a vraiment la volonté de régler le problème libyen, parce que là, on s'enfonce de jour en jour, la communauté internationale qui dit qu'elle a installé un gouvernement d'union nationale, d'après les explications de Juste Kodjo, ce gouvernement n'a de nom que d'union nationale. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment une volonté ou bien il y a des raisons cachées derrière pour que la crise libyenne ne soit pas réglée? Vous constatez avec moi que certaines personnes ont été écartées du règlement de la crise libyenne. Et donc s'il y avait une quelconque volonté,
on n'aurait pas écarté des gens qui, quand même, sont très représentatifs. Peut-être que le général Haftar était trop gourmand. Il demandait peut-être quelque chose de plus gros. Mais ce n'est pas une raison pour l'écarter non plus. Parce que lorsque vous allez à une table de négociation, vous demandez gros. Et peut-être que dans les négociations, on peut revoir les angles, arrondir les angles et vous donner... Quand vous vous retrouvez avec des miettes, vous refusez. Oui, d'accord. Mais est-ce qu'il a eu d'abord les miettes qu'il demandait? C'est ça le problème. Et puis il a été complètement écarté. Et donc dans ce cas de figure... Il y a des intérêts. Le pétrole derrière, il y a beaucoup de puissance derrière lui. Il y a beaucoup d'intérêts en Libye et vous le savez très bien. Mais moi je suis certain que lorsqu'on va à une table de négociation, n'est-ce pas, même si vous n'avez pas la possibilité de donner à quelqu'un tout ce qu'il demande, vous ne l'écartez pas systématiquement. Surtout que si cette personne a une puissance de feu, et c'est le cas du général en question, il n'est pas du tout à négliger. Alors si on l'a négligé, eh bien on va en payer le prix. Je ne sais pas si on veut vraiment régler la question en Libye, mais j'ai le sentiment qu'il y a tellement d'intérêts en jeu que... On préfère tourner en rond. Oui, on va tourner en rond pendant longtemps. Juste, Kodjo, est-ce que vous pensez que la communauté internationale a vraiment la volonté de régler ce problème libyen ou bien il y a des intérêts cachés dans l'ombre? On sait que la Libye, c'est une zone pétrolifère à outrance. Et il y a des puissances qui jouent les jeux de couloir, qui soutiennent des milices par là, des armées par là. Est-ce qu'il y a vraiment cette volonté à l'international? Alors, personnellement, je me méfie toujours du terme communauté internationale parce que ça porte à croire que nous avons un organe unifié, uni, nous avons l'Organisation des Nations Unies aujourd'hui, le Conseil de sécurité qui prend des résolutions, qui parle d'une seule voix. Même le Conseil de sécurité, rien que ce conseil, quand vous regardez, il représente divers intérêts, divers acteurs. Et donc, ça représente la grande puissance mondiale. Tout à fait. Et donc, généralement, les intérêts sont toujours conflictuel. Alors c'est difficile juste de voir la communauté internationale comme un acteur unifié et qui a un seul intérêt. Mais ce qui est important, c'est que dans le cas d'espèce, nous avons vu que le Conseil de sécurité a, par exemple, voté à l'unanimité l'approbation de la continuation de l'opération maritime Sophia. Bon, que les Russes, par exemple, s'alignent, je dirais, par rapport à une décision de ce genre, ça veut dire que quelque part, il y a peut-être un terrain d'entente à un certain niveau. C'est-à-dire qu'il y a des intérêts qu'on peut facilement réconcilier. Alors, si c'est le cas, il faut voir quelle est l'ampleur de ces intérêts. Si l'ampleur n'est pas suffisamment grande, je doute fort qu'on puisse vraiment aller à une résolution. Oui, mais quand on parle de Libye, tout le monde sait qu'il y a le pétrole. Il y a le pétrole, évidemment. Il y a le pétrole. Il y a beaucoup de pétrole. Il y a le pétrole, ça c'est sûr. Et donc, quand vous avez autant de pétrole dans une région comme la Libye, qui aussi représente non seulement en termes de situation, enfin, par rapport à sa situation géographique, représente un enjeu stratégique. Par rapport à l'exportation du pétrole, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Ce n'est pas un pays enclavé, c'est un pays au bord de la Méditerranée, et donc, voilà, ça facilite un peu l'export. Donc, ça veut dire que toutes les grandes sociétés vont se faire un peu... vont se bousculer un peu à ces portes-là pour essayer d'avoir leur part du gâteau. Maintenant, au-delà de ça, quand vous avez une crise du genre, où vous avez maintenant l'État islamique qui se mêle de ça et veut profiter de l'instabilité pour pouvoir faire un peu de cet endroit-là son siège africain, si vous voulez, ça complique davantage les choses. Et c'est peut-être, je dirais, l'élément qui a peut-être unifié les grands acteurs par rapport à l'approbation de l'opération maritime dont je parlais. Parce que quand vous regardez aussi la situation de la Libye, l'approvisionnement en armement, en logistique à ces différents mouvements-là, tout au moins l'État islamique, ne viendrait que de la Syrie ou de l'Irak via la Syrie. Peut-être dans une moindre mesure Liban. Mais dans tous les cas, c'est par la Méditerranée. Et donc une opération navale pour essayer d'intercepter tout ce qui vient de ce côté-là est certainement un opératif opérationnel à atteindre. Un bon opératif, je dirais. Mais maintenant, au-delà de ça, est-ce que ça seul... couper les routes d'approvisionnement à l'État islamique seul aiderait à résoudre la question. Oui, mais ce serait déjà un début. Ce serait un début. Mais en matière d'approvisionnement en armes et autres, il y a toujours les puissances, toujours derrière. Absolument. Ça arrange toujours des gens quelque part. Bon, là aussi, il faut faire cette petite nuance que quand nous parlons des puissances, il faut distinguer aussi l'État des multinationales. Parce que de plus en plus... L'État est nourri par les multinationales. Tout à fait. Mais vous avez parfois aussi des divergences entre l'État central et certaines multinationales qui veulent
faire passer prioritairement leurs intérêts, qui pourraient de temps en temps aussi aller contre les intérêts de l'État. Et donc, ce sont ces aspects-là qu'il faut parfois voir en profondeur et qui expliquent l'hésitation de certains États à prendre position, bien qu'il y ait des intérêts d'un de leurs éléments dans la région. Donc, dans le cas d'espèce, vous allez voir des multinationales se bousculer et même peut-être des multinationales d'un même pays s'affronter et supporter des acteurs différents. Et aller contre les intérêts de leurs États. Tout à fait, c'est très, 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 très compliqué. Donc, Mabalois, alors, à votre avis, très rapidement, quelles devront être les priorités pour amener la paix dans cette région de l'Afrique? Il faut dire qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, n'est-ce pas? Et tant qu'on n'aura pas le langage de franchise, c'est très difficile de surmonter certaines barrières. Les intérêts devraient être clairement définis par les uns et les autres, et ceux qui ont à charge de trouver la solution en Libye devraient s'y mettre. C'est vrai que lorsque Juste parle de communauté internationale, il y a beaucoup de divergences d'intérêts, mais il ne faut pas oublier non plus que l'État reste puissant, et que même si c'est l'État qui nourrit les multinationales, on peut avoir le sentiment inverse, les multinationales qui nourrissent également les États. C'est des possibilités. Il y a une certaine aujourd'hui, il y a les opérateurs économiques qui prennent le pouvoir politique. Bon, je ne sais pas où vous voulez m'amener. Non, je ne vous amène nulle part. D'accord, mais en même temps, je dis qu'il faut une volonté, parce que sans volonté, rien n'est possible. Alors, jusqu'à présent, je note qu'on n'a pas la volonté de régler la situation en Libye, tellement les intérêts sont en jeu. Et tant qu'on n'aura pas cette volonté, il n'y aura pas de solution. C'est pour ça qu'au début, j'ai commencé par être très pessimiste sur la situation en Libye. Je me suis dit, ou je me dis encore, que la Libye, malheureusement, reste condamnée à vivre cette situation-là. C'est vrai qu'on arrive à limiter les sources d'approvisionnement de l'État islamique, mais en même temps, est-ce qu'on a réglé le problème des armes qui circulent déjà dans le pays? Parce que pour moi, c'est le plus important. Si les gens ont des difficultés à se faire approvisionner, c'est que, au moins par ailleurs, pour l'approvisionnement qu'ils avaient déjà, est-ce qu'on a la possibilité aujourd'hui de gérer cette situation? Il y a des gens qui ont des stocks très importants d'armes. Voilà. Déjà et ça circule, sur le territoire libyen. Ça circule très facilement sur le territoire libyen. Et donc il faut trouver un moyen pour régler cela. Il y a également d'autres moyens de trafic. Ça peut venir par d'autres ports de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique de l'Est. Absolument. C'est là aussi l'autre difficulté pour tout gouvernement libyen. Quand vous regardez un peu la Libye entourée de 6 pays qui ont des problèmes de stabilité. Vous avez la Tunisie, l'Algérie, le Tchad, le Soudan, l'Égypte dans une certaine mesure. Alors, le Niger. Alors, tous ces pays ont des difficultés pour justement maîtriser le contour de leur territoire, de leur frontière. Donc à partir de là, même si vous arrivez à contenir, à couper les routes maritimes, les routes d'approvisionnement du côté de la mer, il faut toujours se méfier des frontières terrestres qui sont difficiles aujourd'hui à maîtriser parce que ces frontières justement sont dans le désert. Et donc la difficulté centrale, la difficulté pour le gouvernement libyen, pour tout gouvernement libyen, n'est pas seulement stratégique ou politique, mais c'est aussi opérationnel. Et là, je crois que je crains peut-être que donc l'âme n'ait raison que ce pays le soit condamné, un peu comme on voit du côté du Congo. Mais bon, on attend, il y a peut-être toujours un brin d'espoir quelque part, parce qu'il y a au moins un élément qui unit les acteurs, c'est-à-dire l'État islamique. S'ils arrivent vraiment à se défaire de l'État islamique, peut-être que les intérêts vont se rapprocher un peu plus. Ce qui est sûr, la Libye ne pourra être sauvée que par les Libyens eux-mêmes, madame, monsieur. Ce sera tout pour cette première discussion qui portait sur l'avenir de la Libye. Le débat se poursuit sur SICA. Notre deuxième thème de ce jour porte sur le Gabon. Le président Ali Bongo rompt le silence et défend son bilan économique. Pendant ce temps, ses principaux opposants ont choisi la stratégie d'attaque contre sa candidature que nous réserve la période préélectorale au Gabon où l'ambiance politique est déjà très tendue. Je vous propose de retrouver l'analyse de nos invités après cette virgule. Donc là, Mabalo, est-ce que vous pensez que le président Ali Bongo a choisi aujourd'hui la stratégie de défense sur le terrain, plutôt économique, pour répondre aux attaques de ses principaux opposants qui demandent l'annulation de sa candidature? Absolument. Et il faut voir un peu le fonctionnement du président gabonais. Vous allez voir que ces derniers mois, ces dernières semaines d'ailleurs, il a inauguré beaucoup d'infrastructures sur le plan économique, un aéroport qui porte son nom et que les opposants ne veulent pas forcément emprunter parce que dans les comptes rendus, on dira forcément qu'ils ont emprunté l'aéroport à Ali Bongo et tout le reste, ils ne veulent pas ça.
Il y a un plan stratégique de développement du Gabon, un plan Gabon émergent dont le président a fait le point, plus de 4000 milliards dépensés en 5 ans. Et donc le président a fait beaucoup d'investissements sur le plan hospitalier, sur le plan de l'éducation, sur le plan des logements. L'hôpital avait été inauguré tout récemment également. Exactement. Mmh. Et donc devant le Parlement gabonais, le président a défendu un bilan et a implicitement sollicité un nouveau mandat. Mmh. Et donc vous vous rendez compte que le président Ali Bongo est dans l'offensive par rapport au bilan qu'il a à défendre. Pendant ce temps, les opposants veulent parler de la question de sa candidature. Moi, je ne sais pas si aujourd'hui il est important d'en parler, puisqu'il a été déjà président de la République, il a fait des choses, et je ne suis pas certain que sur le terrain de la remise en cause de sa candidature, les opposants aient gain de cause. Encore que ces opposants aujourd'hui peinent. Ce n'est pas une bonne stratégie. Je pense que ce n'est pas une stratégie opérante, parce que les opposants aujourd'hui peinent même à avoir une candidature unique. Vous avez déjà entendu les propping dire clairement que pour l'instant on est en période de pré-campagne. On ne sait jamais. À la veille de l'élection, peut-être ils peuvent se décider à la dernière minute. Je ne crois pas. Enfin, je peux me tromper, mais je pense que Ping est suffisamment avancé pour refuser, à moins que ça ne soit lui qui choisisse. Et il y a Guy Nzoubandaba qui est là. Vous pensez que lorsque vous entendez les uns les autres, vous pensez qu'au niveau de l'opposition, les autres vont accepter de laisser tomber leurs intérêts pour soutenir une personne? Conquérir le pouvoir. Je suis sûr que ça va se passer comme ça s'est passé dans un pays de l'Afrique de l'Ouest où on a dit bon, on fera l'union sacrée au second tour. Mais s'il y a second tour. Mais il n'y a même pas de second tour. Voilà, justement, s'il y a second tour, c'est pour ça que je dis s'il y a second tour. Je pense, et j'ai suivi déjà un débat sur ce plateau, je pense que le président Ali Bongo Ondimba a de fortes chances, n'est-ce pas, de se maintenir au pouvoir. C'est ça, c'est votre avis. Juste que vous voyez donc le président Ali Bongo défend déjà son bilan face aux attaques. Il était face aux députés mardi dernier, face aux députés, aux sénateurs. Est-ce la meilleure des stratégies de défendre plutôt son bilan économique et d'ignorer les attaques des opposants? Absolument. Je crois sur ce point que donc l'âme a tout à fait raison, parce que dans un environnement aussi pauvre que celui du Gabon, quand vous êtes chef d'État et que vous avez quelque chose de concret à défendre, vous avez des réalisations au plan infrastructurel ou au plan économique à défendre, vous avez certainement une longueur d'avance sur vos opposants. Alors, cette stratégie qui consiste donc à mettre en avant ces réalisations, à mon avis, pourrait lui assurer une victoire. Parce que là, il faut voir un peu ses opposants. Et il y a un facteur important. C'est le mot d'élection, c'est un tour, c'est pas deux tours. Alors, si vous avez un scrutin qui est à un tour, s'il vient en tête, c'est qu'il passe. Même avec alors, 5%, il vient en tête, il passe. Voilà, et donc, quand c'est comme ça et que vous avez trois opposants qui n'arrivent pas à s'entendre et à dégager quelqu'un, c'est que naturellement, ils émiettent les voix de l'opposition et ça lui donne un avantage. Ça, de façon mathématique, c'est ce qu'il y a à retenir. Maintenant, l'autre chose, cette stratégie de l'opposition qui consiste à contester un peu ou à attaquer la candidature, je crois, elle va vraiment être difficile à défendre. Parce que quand vous avez d'un côté un président qui est en poste et qui défend un bilan, et vous contestez tout simplement sa candidature, ça donne l'impression que vous n'êtes pas vraiment sérieux. Et donc je crois que dans un environnement aussi suffisamment analphabète comme le nôtre là, il faut se méfier parfois de ces genres de stratégies, parce que les gens, ils ont toujours du mal à vous suivre. Parce que quand vous regardez aussi les Jinping et les autres, ils ont côtoyé le pouvoir pendant de longues décennies. Alors, donc, ça va être vraiment difficile aujourd'hui de contester le système. C'est justement ce que je voulais vous demander. Qu'est-ce qui peut amener des copains, des amis, des collègues d'hier à se dévorer comme cela se passe aujourd'hui sur la scène politique gabonaise? Alors, vous avez naturellement que le pouvoir politique, il divise très rapidement. Très rapidement. Mais au-delà de ça aussi, quand vous avez un pays comme le Gabon qui représente aussi un enjeu stratégique pour des acteurs extérieurs, et que vous venez à la tête de ce pouvoir, de ce pays-là, et vous voulez commencer à faire des réformes, à faire des réalisations du genre de ce qu'on a observé, vous êtes obligé de couper des intérêts à des gens pour pouvoir faire vos réalisations. Et dès que vous coupez ces intérêts, vous devez vous attendre à ce que systématiquement ces gens commencent à faire de l'intoxication à l'interne. Parce que en fait, ce qui fait votre force, c'est ceux qui vous soutiennent de l'intérieur.
Alors, si votre ennemi arrive à vous opposer à vos propres amis, vos propres frères, c'est toujours plus facile de vous fragiliser. Et donc, je crois que c'est ce qu'essayent de faire ceux qui se sont sentis menacés par la politique de Ali Bongo. Donc, je crois que cette fragilisation de son camp-là est peut-être le résultat de certaines de ses politiques d'État. Est-ce que vous voyez le Gabon au bord d'une implosion politique? Pas véritablement. Personnellement, je... Vous pensez que tout va se dérouler normalement? Je pense... La tension ne sera que verbale, en fait. Oui, elle va finir par se calmer, parce que je crois que c'est pas la première fois qu'on assiste à quelque chose du genre. 2009 a été beaucoup plus tendu que ça, je suppose. Et donc, s'il arrive à rassurer ceux qui se sentent menacés, ceux dont les intérêts se sentent menacés, je crois que tout va se régler. Et puis le Gabon, c'est combien de millions d'habitants? C'est un million et quelques. Ils ne sont pas nombreux. Donc, je crois que c'est toujours plus facile à maîtriser quand vous avez de ces genres de facteurs-là. Donc, là, Mabalo, alors, est-ce que vous croyez, vous voyez le Gabon au bord d'une implosion politique? Aujourd'hui, il y a les discussions qui sont tendues, l'opposition qui attaque farouchement, le pouvoir en place qui se défend. Est-ce qu'on peut... on va assister dans les jours à venir à un choc? Non, pas du tout. L'opposition est totalement dans son rôle. Le pouvoir également dans le sien. Juste l'a dit tout à l'heure, au Gabon, c'est un peu comme au Burkina Faso à l'époque, tout le monde a pactisé avec le diable. C'est pour dire que tous les opposants qui parlent aujourd'hui ont bénéficié de la famille Bongo. Et donc ont travaillé avec le père et le fils et tout le reste. Je ne suis pas certain qu'ils aient les éléments aujourd'hui pour remettre en cause la candidature de Ali Bongo. Première chose. Deuxième chose qu'il faut dire, qui pour moi est quand même une chose importante, c'est que le président Ali Bongo aujourd'hui est à la tête d'un pays. Et puis il y a certaines personnalités qui aiment bien son style, son mode de fonctionnement et tout le reste. Mais là où il y a peut-être à s'inquiéter pour l'opposition, ce sont les accusations qu'on a contre certains leaders de l'opposition comme Jean-Pierre. Vous savez très bien qu'il est sous le coup de deux poursuites judiciaires. Poursuite par l'agent judiciaire de l'État pour atteinte à la sécurité publique et une autre poursuite du président Ali Bongo lui-même pour diffamation. Parce que sur son compte Facebook, il a posté des choses où il attaquait le président, soi-disant qu'il était un génocidaire ou un pyromane et tout le reste. Vous voyez, c'est déjà des choses qui affaiblissent un peu Ping. Parce que si jamais il comparaissait et qu'on le condamnait, il allait même perdre son droit civique. Voilà, exactement. C'est des situations qui peuvent l'amener à restreindre un peu son champ d'action. Oui, mais est-ce que le président Ali Bongo ira jusque sur ce terrain-là? Parce que est-ce que ce n'est pas suffisamment sensible aujourd'hui pour qu'on mette ce dossier-là de côté? Dans tous les cas, il est un citoyen, parce qu'il a porté plainte en tant que citoyen gabonais et non en tant que président de la République. Donc tout citoyen a la liberté de saisir la justice lorsqu'il se sent attaqué. Tout le reste, moi, je ne peux pas lui refuser ce droit-là. Maintenant, la justice gabonaise fera son travail. Ce qui est certain, c'est quoi? C'est que l'opposition part divisée. Moi, je le dis clairement, l'ancien président de l'Assemblée nationale qui a sa position, qu'on le connaît très bien. Et aujourd'hui, je ne sais pas, au départ, c'est le président gabonais qui part avec... Sur la ligne de départ, avec les Ali Bongo partir favori. Il a un bilan qu'il défend. Alors, lors de son intervention ce mardi, également, le président Ali Bongo a pour la première fois évoqué la possibilité de réforme politique. Est-ce que vous pensez que c'est un appel de pied qu'il fait à l'opposition? C'est une façon de montrer qu'il reste ouvert, le président gabonais. Et je crois même que c'est une stratégie politique. Et pourquoi c'est maintenant qu'il le fait? Pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'il montre cette prédisposition? Et lorsque vous l'avez observé même à l'Assemblée nationale, vous vous rendez compte que il défendait son bilan, c'est vrai. Mais en même temps, il montrait qu'il y a eu des limites. Il démontrait que tout n'a pas été rose. Et que parce que tout n'a pas été rose, il faut qu'il ait la possibilité de continuer, de finir ce qu'il a entamé. Et donc moi, je le vois en tant que stratège politique. Lorsqu'il parle de cette ouverture-là, c'est pour dire aux opposants, ben, vous parlez, mais moi je reste ouvert, je voudrais bien que vous veniez. Je suis disponible, venez, on va discuter de l'avenir politique de notre pays. Mais est-ce que du coup ce n'est pas également un couteau à double tranchant? Parce que parler aujourd'hui de réforme à deux mois de l'élection présidentielle, ce qui est sûr, si on doit avoir une révision de constitution, cela n'aura lieu qu'après les élections. Oui, mais il peut le dire avant. Une révision de constitution va impliquer une nouvelle république. Mais donc, il aurait fait deux mandats
Et une nouvelle république lance encore des possibilités pour lui. Le débat n'est pas encore posé à ce moment-là. Cela va se lancer. Une fois que l'idée est déjà jetée, cela va se lancer. Le plus important aujourd'hui, c'est d'aller aux élections. Nous sommes à 2 mois. Et s'il gagne les élections, eh bien, il aura son mandat. Et peut-être que le moment venu, il posera ce débat et tous les acteurs politiques. Il y aura une révision de la Constitution. Oui, bon, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Juste que Dieu, vous voyez déjà, vous percevez cette stratégie-là, déjà au travers de cet appel de pied du président Ali Bongo. C'est vrai que dans tous les cas, cette déclaration de vouloir faire des réformes politiques n'est pas sans arrière-pensée. Maintenant, est-ce que c'est un appel aux opposants directement? Moi, je défendrais beaucoup plus l'hypothèse de vouloir fragiliser l'opposition, tout simplement. Parce que quand vous avez, comme on a dit tout à l'heure, vous avez un bilan économique que vous défendez. Et la seule chose que vos opposants peuvent essayer, après avoir vilipendé un peu ou contesté votre candidature, la seule chose, le seul terrain sur lequel ils peuvent s'aventurer, c'est les réformes. C'est-à-dire que ce qui est là ne plaît plus aujourd'hui. Donc je crois qu'il anticipe un peu. Et ça servirait à fragiliser déjà les arguments de l'opposition. Et à faire un appel justement à de potentiels supporters de l'opposition pour dire dans tous les cas... à ceux qui hésitent encore dans le rang de l'opposition. Tout à fait. Et dire dans tous les cas, si vous ralliez à moi, vous avez encore une chance qu'ensemble on s'asseye pour discuter. Pour discuter, il y a même possibilité que je vous laisse le pouvoir après. Voilà. Bon, maintenant, est-ce que ça va se passer exactement comme ça? Politique. Je doute très peu. Parce que vous savez, là... La question des réformes, comme c'est le cas chez nous, c'est un peu partout, c'est nécessaire un peu partout en Afrique. Mais bon, nous semblons juste nous en servir de temps en temps comme slogan, malheureusement. Et je crois que ça va rattraper beaucoup de pays africains. J'espère qu'il va se laisser prendre au sérieux par ses acteurs et que lui-même se prendra au sérieux après les élections. Mais je vois en ça une stratégie électorale, purement et simplement. Merci, Jusqu'au Dio. Merci, donc, Lama Balo, Madame, Monsieur, c'est tout pour la première partie de votre émission Angle de vue. Nous allons retrouver la suite de cette émission, mais ce sera juste après ce nouveau point de l'actualité sur le continent africain. Au Bénin, la Commission des réformes politiques et institutionnelles a remis son rapport au chef de l'État ce mardi. Les 35 personnalités issues des partis politiques ou de la société civile qui avaient pour mission de réfléchir sur les réformes à apporter aux institutions de la République n'ont pas pu s'entendre sur la question du nombre de mandats présidentiels. Un référendum en vue de l'adoption de ce rapport aura lieu avant la fin de l'année 2016. Au Gabon, le président Ali Bongo Ondimba, candidat à un second mandat à l'élection présidentielle du 27 août, s'est félicité ce mardi d'avoir sorti son pays d'une économie de rente. Le chef de l'État a évoqué un effort d'investissement sans précédent pour doper la croissance à hauteur de plus de 4 500 milliards de francs CFA entre 2010 et 2015. Pour la première fois, Ali Bongo a déclaré qu'il est ouvert aux réformes politiques. En Afrique du Sud, le Trésor a recommandé que le président Jacob Zuma ne rembourse que 3% des 250 millions de rands dans le scandale de sa résidence privée, notamment pour la construction d'un poulailler et d'une piscine, une somme que l'opposition et les experts jugent minime et qualifient de compromis. Il revient désormais à la Cour constitutionnelle d'approuver ou non le montant recommandé par le ministère des Finances. Le président Zuma aura 45 jours pour rembourser la somme déterminée. Le débat se poursuit sur SICA, notre troisième sujet de ce jour à présent. C'est la Centrafrique qui semble renouer avec la violence au lendemain du départ annoncé de la force militaire française Sangaris. Enlèvement de policiers en plein Bangui, village attaqué en province, des rebelles qui ne désarment pas. C'est le triste tableau présenté par la Centrafrique après plusieurs mois d'accalmie et qui ont abouti, bien évidemment, à l'élection de Archange Touadéra Faustin comme président de la République. Doit-on craindre le retour des vieux démons dans ce pays où les milices sont toujours armées? Je vous propose de retrouver mes invités sur ce nouveau sujet après cette virgule. L'émission Angle de vue se poursuit avec Juste Kodjo, spécialiste en relations internationales, et donc Lama Balo, journaliste et directeur de la Radio Soleil FM au Bénin. Juste Kodjo, à votre avis, est-ce qu'on peut dire que nous évoluons aujourd'hui vers une reprise de la violence en Centrafrique, ou bien ces événements sont juste des événements psychologiques provoqués par l'annonce du départ des forces Sangaris? Je doute
Très peu que ce soit la seconde hypothèse. Très peu. Vous voyez alors, une reprise des violences. Oui, tout à fait, tout à fait. Voici un pays, nous ne sommes pas la première, hein, c'est pas la première expérience en Centrafrique. Et quand vous avez observé, nous avons parlé de la Libye tout à l'heure, c'est pareil. Alors quand ça commence, c'est toujours difficile et compliqué à résoudre après. Parce que voici un pays comme la Centrafrique où depuis des décennies désormais, nous essayons des solutions. Nous avons des casques bleus envoyés, nous avons des troupes françaises, nous avons... Et pourtant, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça veut dire que le problème est profond. Et souvent, quand vous... Pour, vous savez, je suis aussi et surtout spécialiste des rébellions armées. Alors, quand nous faisons de la recherche sur les rébellions armées, les guerres civiles, nous séparons d'abord les motifs. Quand nous parlons des causes, nous séparons les motivations des causes de la faisabilité. Alors, il faut aller voir du côté de la Centrafrique, est-ce que, en termes de motivation, est-ce que ce sont ce que nous appelons le grievance, c'est-à-dire les griefs des individus. Beaucoup parleront de la question des religions, de la pauvreté. Bon, du partage des ressources du sous-sol. Les ressources du sous-sol, justement, c'est la seconde, le second facteur de motivation. C'est ce que nous appelons le greed, c'est-à-dire la gourmandise des acteurs. Alors, si c'est le cas, parfois c'est les deux combinés d'ailleurs. Mais dans tous les cas, la théorie a montré que généralement, les griefs sont très rarement, les causes premières des rébellions. Et donc, on se penche beaucoup plus des questions je dirais, gourmandise ou de faisabilité. Ces facteurs-là qui permettent aux individus, justement, de lancer une rébellion et de pouvoir résister à l'État. Et quand vous voyez la Centrafrique regroupe un certain nombre de facteurs qui favorisent ou qui facilite l'émergence de ces rébellions et qui facilite aussi le maintien de ces rébellions-là. Donc, quand vous avez un environnement comme ça, je pense d'abord déjà aux ressources du sous-sol. Un rapport du ministère des Mines de la Centrafrique démontre qu'à ce jour, ils ont environ 470 indices minéraux qui ont été identifiés. 470, c'est beaucoup. C'est énorme. Énorme. Alors, quand c'est comme ça, il faut aussi... Donc, cela ne peut que aiguiser les appétits. Exactement. Et ces ressources sont pour la plupart pas encore exploitées ou explorées. Et donc, ça veut dire que c'est le moment de commencer à batailler dur pour l'octroi des contrats d'exploration. Et bon, de l'autre côté, vous avez aussi plus de la moitié de ces ressources-là qui est exploitée de façon artisanale. Donc, ça veut dire quoi? Ce sont peut-être des individus comme vous et moi qui maîtrisent un petit territoire quelque part, qui font l'extraction et qui ont des circuits pour aller les vendre. Oui. Et donc, quand vous voulez régler la crise, il faut aller voir du côté de tous ces individus et de tout leur réseau d'exportation. Et ça complique véritablement la chose. Donc la Centrafrique n'est pas au bout de ses peines. Alors certains disent que c'est parce que le gouvernement n'est pas suffisamment ferme avec ces miliciens que la situation est en train de retomber. On est en train de retourner vers la crise. Absolument. Dans tous les cas, pour... Comment est-ce que le gouvernement peut être dur puisque ces miliciens sont armés? Et c'est là toute la question. Il n'y a même pas d'armée aujourd'hui. La Centrafrique n'a même pas une armée. Vous ne pouvez pas avoir une stabilité sans une armée, sans un gouvernement. Pas seulement l'armée, mais sans un gouvernement central fort. Et quand nous parlons de gouvernement, ce n'est pas seulement l'armée, c'est aussi la police, c'est aussi les renseignements, c'est aussi les services administratifs pour pouvoir couvrir le territoire. Et aujourd'hui, la Centrafrique n'a pas cela. Mais au-delà de ça, même le leadership politique est fragilisé. Et donc, quand c'est comme ça, je crois qu'il sera difficile de contrôler les rebelles. Parce que ceux-ci, je crois que je vous l'avais dit une fois sur ce plateau, les rebelles, ce qui leur permet essentiellement d'entrer en négociation et d'obtenir ce qu'ils veulent, ce sont les armes. Donc quand vous leur demandez de déposer les armes, c'est comme si vous leur demandez d'abandonner ce qu'ils poursuivent comme intérêt. Donc ils retiendront les armes jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent. Donc dans le cas d'espèce, je crois que le gouvernement centrafricain aura du mal justement à désarmer tous ces mouvements, tous ces différents mouvements. Et comme j'ai dit, avec cette pléthore d'acteurs-là, ça complique encore plus Donc nous sommes en train de retourner à la case départ. Je crains que ça ne soit le cas. Et je crois fondamentalement que nous avons en Afrique des problèmes. Il faut penser ces choses-là de façon profonde. Il faut intégrer la dimension des ressources naturelles à l'installation même des institutions au départ.
vous savez, je défends un concept que j'appelle concentration. Et quand vous regardez un peu le document que j'ai élaboré, vous allez voir que les systèmes politiques que nous avons en Afrique facilitent justement la déstabilisation de nos pays. Quand vous avez des systèmes qui reposent seulement sur un individu, un seul individu, il est facile pour tout acteur de déstabiliser le système. Et donc, il faut aller au-delà de ça. Il faut des institutions fortes. Il faut des institutions. Comme l'a dit Barack Obama. Oui, au-delà de ça, il faut aussi mettre le consensus au cœur. Un peu comme la Centrafrique, par exemple. Il faut avoir des institutions qui reflètent les divisions internes de la Centrafrique. De sorte que les acteurs qui veulent manipuler le système ne puissent pas jouer sur cette division-là. Mais quand il y a trop de consensus, cela débouche sur la complaisance. Non, pas du tout. Il faut de la rigueur également quand on gère. Non, la rigueur vient après. La rigueur vient après dans l'exécution de décisions. Ce que je dis, c'est-à-dire que la mise en place d'institutions qui soient fondées sur le consensus nécessite que les différents acteurs qui sont impliqués se mettent non seulement ensemble, mais quand vous mettez en place une institution, qu'ils se retrouvent un peu dans ces institutions. Qu'ils sachent que, en fait, ces institutions vont aider aussi à protéger leurs intérêts sur le long terme. Et quand c'est le cas, après, vous pouvez être ferme parce que vous avez reçu l'adhésion de tout ce beau monde. Tout à fait. Mais tant que vous n'avez pas fait ça, et que vous avez des systèmes qui reposent le système sur un seul individu, il va être difficile pour cet individu d'être ferme vis-à-vis de tous ces acteurs que je vois là. Donc là, Mabalo, est-ce que vous voyez le retour des vieux démons en Centrafrique avec les derniers développements que nous observons? Ben, vous parlez du retour des vieux démons comme si les vieux démons avaient quitté la Centrafrique. Non, vous pas du tout. Ils étaient toujours là. Les vieux démons étaient toujours en Centrafrique, seulement que l'élection de Faustin Touadéra était venue un peu comme un petit espoir, n'est-ce pas? Mais finalement, l'espoir était déçu parce que la situation actuelle... L'espoir n'est pas encore déçu, non, il est toujours président. La situation, non. Et il a le soutien des casques bleus. D'accord. Mais la situation actuelle, j'ai le sentiment même que la situation actuelle est encore plus dramatique que celle qu'on avait connue, puisque nous avons même des exécutions extrajudiciaires à Bangui. Vous savez, et ça, on vit au-dessus de tout le monde. C'est des situations qui sont très difficiles. C'est certainement des soubresauts en attendant qu'on ne maîtrise la situation. Vous voulez dire des soubresauts d'un agonisant, c'est ça? Parce que finalement, il y a l'agonie. Oui, mais il y a l'agonie. Certainement les miliciens qui sont en train de partir, donc ce sont les derniers mouvements pour marquer leur présence. C'est exactement comme vous l'avez dit vous-même, en Libye, ce sont les Centrafricains qui vont régler leurs propres problèmes en Centrafrique. Parce que lorsque je vois le tableau qui a été peint par Juste, où on parle justement des richesses matérielles, c'est ça encore le problème. Je ne sais pas si lorsque ceux-là vont décéder, ceux qui font ça et puis ils iront dans leur tombe, ils vont partir avec les biens matériels qu'ils auraient accumulés ici bas sur Terre. Est-ce qu'ils y pensent? Ils n'y pensent pas. Pour l'instant, ils se battent. S'ils nous écoutent, nous... Bon, c'est vrai que nous, on est sur le plateau de télévision, mais on a le courage de leur dire. Ça dépend de votre niveau spirituel et autre. Mais vous ne pouvez pas, à cause des biens matériels, n'est-ce pas, de la Terre, ôter des vies humaines. Il y a un problème. Et donc, si c'est que à cause de ça, je trouve que c'est dommage. Ah, mais il y a le pouvoir. Il y a le pouvoir également. Oui, mais vous ne l'avez jamais exercé. Oui, donc mais le pouvoir d'État. Le pouvoir finit par vous quitter. Vous ne pouvez pas indéfiniment exercer le pouvoir d'État. Il y a des exemples. Kadhafi a été très fort. Mais vous avez vu comment Kadhafi a fini ses jours, même s'il a été assassiné dans des conditions très bizarres. Vous avez vu comment c'est arrivé. Mobutu a été très puissant. On a vu comment c'est arrivé. Donc finalement, il y a toujours une fin à toute chose. Donc on ne peut pas, sur des questions matérielles, mettre en danger la vie des populations. C'est pour ça que je dis, oui, des richesses du sous-sol, oui, on a envie d'être fort, riche, beau, puissant et tout le reste, mais oui aussi, il faut un peu d'humanité. Et ça, c'est les Centrafricains eux-mêmes qui vont régler leurs problèmes en Centrafrique. Un pays totalement instable, un pays dans lequel on a pu enlever une vice-présidente de la transition. On enlève le ministre du sport mais c'était en période de transition. Maintenant, il y a un gouvernement légalement installé. Et pourtant, les choses vont changer, certainement. Les choses n'ont pas changé, justement. Juste que Dieu vous donne quelque chose à... J'aime bien cette approche de Don Clam qui appelle les acteurs un peu de moralité. C'est-à-dire qu'en fait, quand nous parlons des ressources naturelles, il faut comprendre aussi ce à quoi elles servent, ces ressources. C'est pas fondamentalement l'aspect financier. Quand vous prenez un peu, je prends le diamant. Souvent, quand nous pensons au diamant, nous croyons que les gens se procurent le diamant juste pour les bijoux, tout ce que nous voulons. Ce n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire, ça, c'est une exploitation qu'on peut faire du diamant. Vous avez l'utilisation du diamant dans, par exemple, je suppose, des avions,
des appareils beaucoup plus, oui, plus sophistiqués. Mais la finalité, c'est l'argent. Pas toujours. Au-delà de la question financière, il y a aussi l'aspect stratégique. C'est-à-dire que si j'ai besoin d'avions chasseurs, de chasseurs pour maintenir la sécurité de mon État, ou j'ai besoin, je suppose, d'armes nucléaires pour maintenir la sécurité de mon État, ma source d'approvisionnement en uranium devient la chose que je vais défendre même en sacrifiant des vies humaines. Parce que, en fait, quand vous êtes de notre côté, vous ne percevez pas toujours la contrainte qui pèse sur les dirigeants des autres, de l'autre côté, là-bas. Parce que pour un président comme Barack Obama, si aujourd'hui il a besoin d'un certain nombre de matériel pour assurer la sécurité des États-Unis ou tout au moins conduire des guerres dans certains pays, et que sa source d'approvisionnement est coupée parce que quelqu'un d'autre, un certain X contrôle ce pays-là et ne veut pas désormais... C'était Ben Laden. Alors, ça fait que lui, dans son pays-là, il est sujet à des critiques. Ouais. Et donc, ces gens, au finish, ils reculeront devant rien, justement, pour sécuriser leur source d'approvisionnement. C'est des enjeux stratégiques énormes. Nous n'avons pas idée de ce que ça représente. Vous allez voir, excusez-moi, vous allez voir que de tout temps, l'Afrique a été un peu toujours l'enjeu pour tous ces acteurs-là. Et il y a un peu comme un pacte au sein de ces acteurs. C'est-à-dire que aucun acteur ne doit contrôler les ressources de l'Afrique. C'est-à-dire que vous n'aurez pas un pays qui domine à lui tout seul les ressources de l'Afrique. Donc les pays comme la Centrafrique, la RDC et tous ces pays qui ont ces ressources-là seront toujours un peu sujets au cœur des tiraillements entre les grandes puissances. Et aussi, l'autre chose, c'est que la France, qui croit avoir joué un rôle de stabilité depuis l'indépendance dans nos pays francophones, veut se revendiquer un peu la paternité de ces choses-là. Et donc, quand vous avez des présidents qui ont tendance à affronter leurs intérêts, ben, ils reculent devant rien. Vous savez, dans le cas de la Centrafrique, Ange Patassé a accordé l'exploitation du pétrole à une société américaine. Il a perdu le pouvoir, il est parti. Vous disiez, est venu, il a confié la même exploitation à une société chinoise, il est parti. Et donc, ces choses, en fait, nous semblons les minimiser. Il y a la géopolitique. La géopolitique à un niveau élevé, mais très rapide. Dans tous les cas, juste, vous ne m'enleverez pas de l'esprit qu'il s'agit de questions bassement matérielles. Ça, c'est tout à fait. Merci donc, Lama Ballo. Merci, Juste Kodjo, madame, monsieur. Ce sera tout pour votre émission Angle de vue de ce jour. Très bonne suite de programme sur SICA.